L'ensemble des Dédéros, c'est un ensemble de musique de chambre qui se consacre surtout à la sonate en trio. Et il y a une pièce qui est le sommet de la sonate en trio. Et c'est aussi un peu la dernière pièce qui a été écrite, donc l'achèvement du genre de la sonate en trio. Après, on passe au quatuor à cordes. Donc on se trouve au dernier moment de l'époque baroque avec Jean-Sébastien Bach et l'offrande musicale. Et j'avais toujours envie de faire cette œuvre. On la joue dans des programmes différents, en la mélangeant avec de la musique allemande et de la musique française. Mais on avait quand même envie de faire tout le trajet et de faire un projet sur l'offrande musicale avec les canons, avec les Ritscherkar, et de vraiment faire un travail approfondi sur l'œuvre et pour voir comment on en arrive à la fin d'un tout un spectacle à cette sonate en trio. Quelque sorte très technique, très profond et à la fois très philosophique et c'est la plus belle musique qui existe. Normalement, pour essayer de la comprendre, on a besoin d'un conférencier, on a besoin de quelqu'un qui explique de 10 pages de programme de salle pour essayer de comprendre cette œuvre. Moi, je voulais éliminer cet élément didactique et le transformer en quelque chose qui soit une expérience pour le public. En fait, qu'on puisse plonger le public dans un univers et que le public puisse comprendre l'œuvre sans avoir besoin de quelqu'un qui l'explique vraiment. Quand Johannes m'a proposé ce projet, pour moi, il s'agit d'une offrande, mais pour moi, c'était un cadeau, parce que Bach, c'est une de mes musiques préférées. Je ne connaissais pas bien l'offrande musicale, et je le remercie de m'avoir proposé ça, parce que ça m'a permis de rentrer véritablement dedans et de faire l'expérience de ce qu'on cherche à offrir aux spectateurs, c'est-à-dire une expérience, comme tu l'as dit, une expérience sensorielle plus qu'intellectuelle. Et pour moi, c'est comme ça que je prends la musique, parce que c'est mon cœur qui parle. Et du coup, quand on est avec un chef-d'œuvre absolu de la musique, eh ben, on est en bonne compagnie, avec un ensemble vraiment génial. Et du coup, j'ai fait appel à un vidéaste dont j'adore le travail, qui pour moi est un grand génie, qui s'appelle Pierre Nouvel, et qui est quelqu'un qui adore, comme moi, les mécanismes, les mathématiques, la façon dont, finalement, d'une chose abstraite, qu'est la mathématique, que sont les mathématiques, naît l'artistique. Et c'est exactement au cœur de l'œuvre de l'offrande musicale, puisque ce qui est spécifique, c'est qu'il y a un thème, 20 notes, et qu'à partir de ça, Jean-Sébastien Bach a inventé un chef-d'œuvre, et qu'il s'est amusé à le faire dans tous les sens. Et pour moi, c'est un cadeau pour les spectateurs de pouvoir leur faire comprendre à quel point il était totalement visionnaire dans sa façon de prendre une contrainte et d'en faire un poème musical. Pour nous, pour les musiciens de l'ensemble, c'était très intéressant aussi, très enrichissant de travailler avec le vidéaste, avec Pierre Nouvel, parce que c'était comme avoir un
sixième musicien dans le groupe, parce que on n'a pas juste fait la musique et il a fait les vidéos, mais on l'a joué pour lui. Il a construit des vidéos dessus. On a regardé les vidéos. On a changé notre façon de le jouer. Il a rechangé, et donc c'était vraiment un travail d'équipe et un travail musical aussi pour moi. Il a travaillé aussi sur la musique, en fait.